Coucou YouTube. Voilà, coucou YouTube. On est avec Sartek aujourd'hui. Le ballon de patch est sorti. Et bah écoutez, si vous connaissez pas Sartek, vous savez que c'est quelqu'un qui a participé au SWC. Donc c'est un peu le GOAT. Tu peux voir qu'il a une box plutôt sympa. Et aujourd'hui, on est en vocal avec lui. Il va faire ses petites ailes de RTA. Et bah du coup, il a Jongnam qui va notamment pouvoir tester. Forcément, il va pas le pick. Il va pas forcer parce qu'on veut aussi quand même gagner des points. Bon là, il nous fait une draft full LD contre quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà croisé pas mal. Et donc Sartek, bonjour, allô. Ça va? Salut. Il troll un peu là avec sa draft, non? Pourquoi il a pris On a aucune idée, on verra bien. C'est quoi, c'est la speak là? Il va juste booster ton Mgeki là. Ok. Imagine. Ok, il mode speed pas. Bah non. Ah, c'était du 6, ouais, c'était vraiment du 6 quoi. Ouais. Ouais, tu vas le laver là. Oh là 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 là. Nettoyage en cours. Les 4 breaks sont posés. Oh là 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 là, l'objectif cliff dès l'entrée. Non mais t'as vu ça? Incroyable. On s'attend quand même, mais y'a plus rien quoi. Ah mais t'as pas absorbé avec... Bah après c'est pas si grave que ça, tu vas quand même jouer avec le robot non? Ok, du coup il est obligé de faire skill 3. Ok, il est obligé de prendre Viola aussi. Ok. Ça peut être embêtant là, parce qu'il y a quand même la menace qui va nuire partout. Par contre, c'est vrai que t'as rien absorbé avec le maxi, c'est dommage. Il a combien d'AQ le maxi là? Une cinquantaine. Ouais. En vrai, à mon avis, il y a Sandres sur Kvarsi et sur Shusuke, mais c'est pas de chance. Ouais, ouais. Il ok, a ok. On reste quelque part. Bon, oh, oh, oh. Juste pour les dégâts. Ok, et je pense que Mugoki gère la VA contre ça. Hein. Enfin, il a le buff attaque, c'est un peu embêtant, mais t'as le buff d'air qui va revenir. En plus, il focus pas vraiment la bonne focus. Le bon focus, là, il devrait aller sur Mugoki directement. Ok, nice. Ok, là. Non, ça doit être fine. Là, il a skill 2, il va pouvoir régénérer un petit peu. Mais derrière, il peut prendre le break death. Oh merde. Juste pour info, le maxi en Swift Speedtune. Ouais, après ça, au niveau des runages, tu pourrais limite nous montrer 2-3 petits runages, si tu veux. Ah ouais, c'est assez violent quand même comme TR, mais c'est dommage qu'il y ait des résistances sur les contrôles ATB, sinon, bah, il jouait plus. Hein. Ça avait le skill 2 avec. Comment ça s'appelle, Maxi. Bah, vas-y, montre-moi un peu. Ok, Trix. 190, la petite Silver. C'est du vieux wheel, hein, j'imagine tout ça. Ouais, vieux wheel à nouveau. La petite Laura, 199 en vieux wheel aussi. Le petit Jongnam qu'on a joué. Ouais, il est bien. Hein. Petite, petite Neftis. Petite Bella. Vieux wheel. Petite ouais, Bella. Beaucoup de vieux wheel sur le compte. Et puis derrière, c'est un peu. Shift wheel. Ouais, la Etna de fou. Spoken, ah ouais, le chien rapide derrière aussi. Sale compte. Miles en res, en fio, shield. Ah ouais, t'es en res sur le Miles. Ah ouais. Ah, c'est derrière, c'est pas très spécial, hein. Il y a juste ça en. Gifri de Rion. Solvark, pardon. Je sais pas pourquoi Gifri de Rion, je suis pas trixé. Le maxi en Swift Efficience. Ouais, fio wheel. Léo Kenneth, un petit 180 qui traîne comme ça dans l'inventaire. Hein, by the way, genre en mode, ouais, il me restait ça, ça traînait. C'est trop grave. Le dernier petit quad. Ouais. La Sierra en Desper Wheel. Oh putain, attends, mais ta Sierra elle est rapide de fou. Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu qu'elle était rapide à ce point là. Waouh. Elle est collée en fait à Bella. À Bella. Waouh, j'avoue. Et c'est rare d'avoir des Sierra aussi rapides. Hein. Les gens ils arrivent pas à les jouer aussi rapides en général. Full bomber. Bombe à gauche à droite. Ouais. Tu veux la jouer. Ouais, autocrit parce que tu joues avec Laura. Ouais. Parce que j'ai Laura. Fais la jouer. Oliver. Puis Oliver. La petite Viva en Vio qui joue derrière. Ouais. Bah en fait, devant mes mobs en Vio Wheel quoi, tu vois. Ok. Début draft fait tellement peur. Ah, le début draft de Starter qui fait vraiment peur. Ah bah voilà, là on a Jongnam. Le Jongnam du coup qui est en Vio Wheel. Voilà. Dégâts sur feu, ok. Pourquoi pas. En fait, je crois que t'as pas changé les Arte hein, depuis la dernière fois, j'imagine. Je sais pas si dégâts sur feu est vraiment le meilleur sur lui. Je pense que dégâts élémentaires c'est bien, mais je sais pas si c'est vraiment sur feu. Et pour moi, les seuls mobs qui. Ah, pour les Velajuel peut-être. C'est vrai que les Velajuel, tu peux vite les atomiser du coup. Ouais, j'avoue. Ah, t'as une Enzima. J'avoue. Bah oui, en fait, y'a pas besoin de mieux. Hein. C'est pas besoin de plus, hein, c'est parfait. Là, tu bats Janna, j'imagine, ici, ou Aegon quand même. Je pense que je suis quand même ban Aegon. Ouais, tu te dis que tout speed avec lui 33 Laura, ou bien t'as Etna qui peut aller chercher le T1. Ah bah, il décide de se prendre un skill. De skill 3 à l'open. Et en grid. Waouh, grid ici. Stun. Ouh, in extremis ça. Waouh. Elle est rapide par contre. Mais... Mm-hmm. Oh, c'est lead. Speed, ouais. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Là, ça va, j'ai deux menaces. Donc en vrai, ce qu'il pourrait faire, c'est. Ce strip.
Pas l'immunité, c'est de la strip. Oh oh, bah c'est fini, il peut quitter. Après, on va pas se miter, là il a fait un misplay. Pour moi, le winning play qu'il avait ici à faire, c'était absolument de... Regarde, le T2 de Titan était trop fort et de Jongnam. Là, il devait chercher un strip avec Velajuel, il devait pas skill 3. C'est bon. Bah tu Vela, ça a gagné, la Jaina est en Swift. Bah, il a déjà fait son spell, on va devrait, c'est vrai. Magnifique. Ah, c'est le même. Donc là, on va la jouer un peu autrement, je pense. Et tu penses qu'il a... Il a vu ton clair dans ton jeu maintenant et qu'il va s'adapter? Il y a moyen. Ah ouais, prendre le Velajuel, moi je trouve que c'est une bonne idée, même s'il y a le gang en face. De son côté, c'est chiant. Et un petit Silver. Ouais. Tu te gardes le petit robot d'arc pour la fin, j'imagine, ici en l'aspect, potentiellement. Il y a moyen, ouais. Tu penses s'il ressort sa Jaina ou pas. Parce que le problème, si tu prends un robot d'arc ici trop tôt, tu vas prendre le Verdale. Bon, tu te le prends de toute façon. Mais là, le Verdale, il est pas si dingue que ça. Est-ce que justement le Jongnam est pas bien ici? Si. Ouais, t'as vu au Spitting, c'est parfait. Hein. T'as Bella, Jongnam qui suivent. Et la banane l'aspic. Et je pense que. Non, Jongnam joue de toute façon devant la Bella. Mm-hmm. Juste aller chercher le. Tenter de chercher Sagar. Oh, nice. Voilà, le Verdé va être un peu relou, mais. Et ça se fait. Parce que là, il va avoir les slow en fait. Faut dire qu'il va avoir les slow. Et les slow, c'est le meilleur debuff du jeu. Dès que je peux mettre quelque part un break. Nice, il a pas proc. Ah, break def, ouais. Il y a un truc qui disparaît. On va quand même mettre. Les dates. Waouh. Mm-hmm. Et on peut caler les slow du coup. Non, t'absorbe avant, pardon. Que là il va essayer de protéger donc je pense que je vais quand même le faire. En fait j'aurais dû faire les deux avec le Vela. Oh. Bah là c'est gagné, hein. on tue cette ici à droite et... Bon, je sais pas si tu vas avoir les dégâts. Ah tu joues avec Vela Joel aussi. Ah, bon. Et donc tu peux la state. On sustain, on est pas mal. Hein. Et ouais du coup ta compo c'est pas si mal que ça. Moi je ferais qu'un skill ici. En fait, on est pas mal. La compo, elle est bien parce que, en fait, en termes de sustain, t'as Velajuel qui synergise très bien avec Laura et t'as également un Jongnam maintenant qui est pas trop mal. Oh, c'est cool. Alors, j'avoue que la Bella, là, elle prend quand même plutôt cher. Bah, je pense qu'on avait pas le choix. C'est vrai que ça me fait un peu peur comme le Verde Juno là. Donne prochain tour. Mais je me dis qu'il y a moins que tu tues avec Etna. Si tu... En fait, avec Etna, si tu donnes le Verdé au bout d'un moment, c'est gagné. Non, ok. Ah, dommage. Non. Aïe. Je pense que là, je vais pas la gagner. Non, là, ça va être chaud là. Là, tu vas te faire avoir. J'ai un Verdé. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai pas la réduc. Non, là c'est compliqué. NP. Oh, okay. Plus gros client, top 4. Ah ouais, son GN s'est fait nerf. Attention, les gars, le mob est injouable. Hein. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il va perdre son top 4. Eh oui, range-le, hein. Injouable le mob. Paterbergil, ah ouais. Curieux ça quand même. Juste envie de prendre full menace. Ah ouais. Et du coup, là, tu préfères jouer Trix que éventuellement Neftis? Ouais. Ok. Bah Neftis, il peut se faire contrôle, tu vois. Je me disais qu'avec avait les hanches, tu vois, et pour le silence... C'est chiant. Ouais. Mais si le lever fail sur Trix, ça peut gérer, quoi, tu vois. Ouais. Là, je me dis... Après, la Juno est quand même terrifiant. Ah, la Juno, je pense qu'il la gère pas ici. Je pense que je vais quand même pour toi. Il va banner gang, lui, non? Ouais. Donc là, il va aller chercher ta Etna ou ton Talora à l'open. J'espère qu'en fait, la Bergil est... Off wheel. Hein. Ah ouais, tu vas skill 2, la mettre break def et l'atomiser direct. Oui, de toute façon, ouais. Je devrais. Ah bah voilà. Ah, tu vois, c'est très double. Bien. Ouais. Oh là là. Pas grave. Je pense que je vais aller chercher. Quand même aller chercher lui. Ok. T'as le boost ATB du coup. Ouais. Ah ouais, comme ça. Ok, ouais, du coup, t'as tes strips, t'as tes deux strippers derrière. Oh là là, ça c'est big. Ok, bon, il l'a quand même eu au final, j'ai rien dit. Ouais, là du coup, c'est l'intérêt d'avoir Strix, c'est pas d'avoir
Ouais, c'est vrai que si t'avais Patrick, si t'avais NFT, ça aurait peut-être pas fonctionné comme voulu, quoi. Là, il va pouvoir reset quand même. Ouais, il peut, ouais. Ouais. Voilà, le proc par contre, c'est embêtant. Ok, résistance, big. Ça va, ça va, on va elle s'en sortir. Elle va faire, donc je vais aller là-dessus. On l'a pas eu. On va faire ça. Ouais, on met l'immunité pour le slow et nice. Mmh. Là, on a la Laura qui va faire son skill 3, du coup, elle a pas été reset. Qui va faire, ouais. Donc ça, c'est bien. Oh, là, la Etna qui va faire trop mal maintenant. Oh là 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 là. C'est quoi la menace? Le pater? Ok. C'est vrai que l'immunité de tour est vraiment trop bien, franchement, pour la sur et là, Silver. Principe avec. Oh là 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 là, ça c'est big. Le slow qui met bien. Ouais. Absorption. Il peut rien faire en fait avec son Oliver là. Il va, ses HP fondent et il peut rien faire. Trop bien. Le combo est fort. Bah si, il aurait pu faire, mais il aurait perdu son Oliver. Ouais. Quoi, ah ouais, tu mets tellement de debuffs, j'avoue, Trick, ça a tellement de value avec Silver, le combo des deux est vraiment vraiment fort, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu à Elenoa avec, sauf que bah là t'as la. En fait, ce qui est trop bien, c'est que t'as la suppression, quoi. La suppression est trop bien. Soit et le slow m'aide. Ouais. Le karma m'aide, donc c'est pas mal, quoi. L'immunité. Donc c'est vraiment sympa. Oh, Whale, hein. Whale. Ah, le first pick, oui. Whale et t'as le first pick et gang en plus. Bah, je vais pas taire. Sans le gang, du coup. Pontus, Leima, ok. Même pas besoin. Allez, elle est où? Juno, ah ouais, Juno c'est bien contre ça. Oh, il a Akroma, le petit choqué d'Akroma. Etienne Lang, il prend Akroma et un mob qui se fait counter par Akroma. Pas grave, hein. Oh non, c'est pas grave. Parce que pour ceux qui ne savent pas, maintenant, la Akroma gagne de la TB à chaque fois qu'un de ses alliés se fait taper et ne crit, en non-crit, jusqu'à 20%, jusqu'à ce que l'Akroma reprenne son tour. Et la Sonia, elle est comment ici? Peur du pas fait peur. Qu'il y a du... Ouais, je suis d'accord. L'anti-crit et le glancing, je suis d'accord. Ouais. Je pense que le pater, il est un peu copium ici. En fait, c'est soit Sakroma, soit c'est la Leima qui pouvait gêner un petit peu ici. Mais bon, je me dis que comme en fait, la Juno joue en dernière, limite c'est le mieux quoi. Mm-hmm. Pour mettre les dots si jamais la Leima cut. Il vit un peu accro, flop tier jusqu'à présent, mais hâte de voir. Ah ouais? Bah ici on la banne, pas de chance, le mob est trop fort, hein. On banne la menace. Hein. Donc là il remet l'immunité, mais ça sert à rien, la Leima joue. Ok, fait skill 2. Oh oh. Ok, le glancing est posé. Ok, on claque tout. En vrai, si on met le slow sur la Leima, c'est fini. Bon, la Juno va quand même lap. Non, c'est gagné là. Là, avec le glancing. Ouais. Oh là là, comme ils font les HP. Là, il faut tout mettre sur la Leima et c'est gagné, j'imagine. Parce que là, ça meurt du dot. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que les... Attends, ça, le dot il proc après ou pas? Oui, oh. Parce que t'as d'abord, ouais. T'as d'abord le passif et après c'est le... Ouais, t'as d'abord le passif puis les dots. Du coup le dot avec Trick ça permet de la state. Oh génial, on se aurait laissé un HP. Bon, il va donner des buffs à ta Nephthys, à ta Juno. Ok. Ah là, c'est compliqué pour Whale. En fait, le problème de Whale, c'est que bah, s'il a pas son E-Gang, etc., ils sont trop tournés autour de E-Gang. Leima, c'est naze. Bah, le problème de Leima, c'est que E-Gang existe, hein, à nouveau. En fait, Leima, le mob sur le papier est bien. Il a des stats de fou, elle a super kit, juste, oh, juste la méta. Ah, il est chaud, lui. Bergil first pick. Ah, t'aimes bien jouer Etna contre les Bergil en mode je peux limite la saucer à l'open. Mm-hmm. What? Oh, petit trick, Sora. Ah, j'aime beaucoup là, ce quatuor. T'as le choix de soit de prendre un bruiser, soit de prendre un support, soit de prendre un lead speed et avoir le premier tour, c'est trop bien. C'est assez homogène. Surtout quand on connaît tes runes derrière. Mm-hmm. Par exemple, la Etna, elle est comme un peu tanky, elle est bien respectée. En wheel. Avec tous les debuffs que ça peut mettre, ça marche tellement bien ensemble que. Ouais, t'as plein de dégâts, tu profites bien du multi. Mm-hmm. Alors, je prendrai un bruiser moi dans ce cas de figure, ouais.
C'est Anne là que tu veux là à la place de Bella. Hein. Oh oui, là le petit Anne là. Ouais. Mm. Incroyable, ouais, pour être sûr de tuer quelque chose. Et ben là, t'as besoin des petits procs où t'es vraiment posé tous les debuffs. Anne, t'es sûr de kill. Pas spécialement, là, sur un breakdaff, il y a moyen aussi. Hein. Ouais. Ou bien Zeratou. Zeratou, là, on l'aspect, papa. Ouais. Aussi. Limite mieux encore avec Trix. Ok. Je pense que je le fais au cas où, comme ça, si il y a un moment où je loupe le crit, quoi, tu vois. Je peux. Je pense que je vais quand même tout mettre dessus. Hein. Arrive à la stone, ce serait big. Oh, allez, squishy. Parfait, ça. Tous les. La Juno qui est du coup okay. En ça, will. C'est bien. Mm-hmm. Donc elle peut pas me revenge. Non. Oh, l'anti-buff, il est big. Mais en fait, la team est déjà morte en face. Je vais juste faire un assain. Voilà, elle a terminé la game. Avec le slow, je recap. Je repasse. Ouais. Il y aura juste là, mais c'est pas grave. Trop trop bien. Là, tu vas sur Oliver. C'est de mettre un dot, ok, donc il meurt. Ouais, il meurt du dot. Et tu vas sur la Juno. Je vais pas toucher au cas où qu'il est en revenge. Et il est en will. Ok, il abandonne. Il est en will, je sais plus. C'est possible. Ouais, il était full will. Waouh. Oh, les dégâts. Franchement, en plus, genre, il joue limite à deux counter attaque compo. Genre, Juno et Zanizek counter un petit peu. Mm-hmm. Et il se fait genre juste laver TA tellement il y a de dégâts. C'est incroyable. Alors, on est dans la draft plutôt raciste cette draft quand même là, on va pas se mytho. Wow. Tout petit peu, non. Et toi t'as... Tout petit peu, non. T'as vraiment pas peur des ragdolls là toi avec ta draft, hein, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Quand même, parce que moi je trouve que ragdoll ça casse bien ta draft quand même. Contre l'aura, je trouve ça pas si mal pour être un détenteur de l'aura, tu vois, de ragdoll. Non, je peux pas faire ça. Bah sinon tu prends Jogdam, t'as fait une deuxième sustain, un deuxième support, il a pas vraiment de burst dans sa compo, et tu bannes genre Nana, et en fait t'es bien là non? Tu bannes Nana, y a aucun moyen qu'il puisse se burst. Ouais. Nana ou le Ragdoll pour les tours. C'est pas con. Non, je comprends ce que tu veux faire, tu verras. Il va cut, et du coup avec, parce que ma Vivache elle est pas en Swift. Ouais, et du coup tu vas permettre à HP, ouais. Et ça c'est le frame que j'ai aussi contre les UHL, hein, quand je peux pas jouer Ragdoll. Et théoriquement... Je fais pas. Je mets juste un. Parce que je vais le laisser jouer. Voilà, regarde, tu verras. Là, en théorie. Voilà. Ça va jouer. Et voilà, et maintenant, tu peux tuer un truc, quoi. Et on va aller sur qui, du coup? Sur la Juno? Ou bien sur. Sûr. Ouais. Hop là. Et on fait le skill 2 et on tue la Juno. Et on se strip en même temps et on se tape le reste de la team. Et derrière on a... Ok, la Bella elle prend cher mais bon. Il a plus grand chose normalement ici, Trix devrait faire le taf. Un petit skill 2, parfait. Le proc est magnifique pour sauver la Bella. Mérité, on a eu un proc. Il met un petit Lucian pouce alors qu'il a eu son proc lui aussi. Je tiens à le préciser. On met la Brand à gauche et là... Oh dommage, si tu l'aurais mise là, tu l'aurais détruit. Là on est bien. On a le skill 3 déjà proche à tour de la Laura. On a déjà le skill 3 de la Laura. Waouh. Et là on est trop tanky, hein, il nous tue pas. Hein. Waouh. Et on récupère la spell avec Trix. Je pense qu'on va être au-dessus, hein. Ouais. Faut juste mettre les slows, quoi. Une fois qu'on a mis les slows, c'est gagné. Et on a le skill 3 de Trix qui est revenu. On met pas les slows, c'est dommage, ça. Pas grave, c'est tout des dégâts, quoi, tu vois. Ouais. Puis Ivachel, là, reprend ses spells soon. C'est ultra, ultra menaçant pour lui. Il s'est trompé, il aurait dû sortir le stun sur Nyx. Trix. Oh, on n'a pas de debuff. Cut avec Yva. Ouais, il veut taunt, mais ça ne change rien. Ok, là, je pense que tu assures le coup. Nice. Ok,
Et on a notre skill 3 pour chaque tour. Parfait. Pour n'importe quoi. Ouais. Je strip ça. Comme ça, un tour de plus. Ouais. Attends, tu vas le mettre sous le sol, il a fait gaffe. Oh. Uh oh. T'as trollé, mon bro. Ok, après, si tu stun. Qu'est-ce qu'il 2 Skill 2, proc violent, t'as mis le breakdev, tu tues, qu'est-ce qu'il a? À gauche, non? Ok, non, ok, il faut tuer, il faut tuer. Mais tu lap. Ok, ok, tu lap, c'est bon, c'est fine. T'as le skill 2. T'as trollé, frérot, on a failli perdre. Oh shit. Mais non, c'est... Calculer les ah ouais, dégâts. Mais s'il avait un proc Luxac, t'avais juste perdu. Oh, les grosses couronnes de StarTech. Bah écoute, merci en tout cas StarTech pour les petites ailes. C'était un vrai plaisir. Tu sais que tu seras toujours la bienvenue ici. On refera ça ouais, quand tu veux. Dans la semaine ou plus tard, quoi, tu vois. Ou quand ça tira, quoi. Ouais, avec plaisir. Toujours un plaisir. Allez, pense si vous voulez revoir un petit peu de StarTech à l'avenir ou pas. Voilà. Bah écoute, je vais te laisser là-dessus, moi. Et bah, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne après-midi. Et puis bah, à plus tard. Hein. À plus tard, tout simplement. Ouais, toi aussi. Hein. À plus tard. À toutes. Bon, bah, c'était cool, les gars. Merci à StarTech. Hein. Vraiment, le bro. Il prend de son temps pour nous faire les ailes. Bah, il allait de toute façon faire ses ailes. Mais c'est vraiment sympa de venir partager ça avec nous. Parce que bah, ça lui met une petite pression supplémentaire quand même de faire des ailes en stream.